Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma and the Fireflam. Salut à tous. Et on est parti pour faire une vidéo découverte de... Train. Voilà. En c'est français. Le combien, Oliver? Le premier. Le premier des premiers. Et pourtant, même le premier est magnifique. Il fait Train Next Gen. Est-ce que c'est un jeu de 2011 ou... un truc par là. Et il y a beaucoup d'interactions entre C'est un jeu de plateforme où on peut, son intérêt, c'est le multijoueur, parce que quand on joue seul, c'est un peu ennuyeux comme jeu. Ah, un ennemi. Il y a Skeletor qui nous attaque. Alors regarde, je suis en train de le massacrer avec ma femelle elfe. Ma femelle. Elle fait vraiment mouche sur les squelettes. Oh, dans ta jambe. Non, le problème, c'est que je joue avec un clavier et je ne sais pas comment changer de personnage. C'est vraiment freestyle. Voilà, bon, on s'en fiche. Premier fail de Oliver Plasma. Voilà. Ah, voilà, j'ai trouvé. Le guerrier. Donc voilà, on a un guerrier, magicien. Et une elfe. Une elfe. Archer. Et. C'est un jeu à énigmes, plateforme. Oh merde. Dans un univers médiéval. Voilà, c'est un peu le Seigneur des Anneaux. Qui fait très Warcraft aussi, je trouve. Ouais, plus Warcraft que c'est. Surtout la gueule de la fille. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue dans World of Warcraft. Tu la vois de là, sa gueule? Bah, ici, là. Ah oui, d'accord. Sur le curseur. Prends ça. Et l'intérêt de ce jeu, c'est aussi d'avoir des interactions avec les objets, Oliver. Oui. Ouais. Et il y a beaucoup de physique. À la Half-Life, attention. Physique à la Half-Life 2, c'est du lourd. Et si je suis perdu, je fais comment, là? Faut que t'ailles à droite. Hein. Je t'attends. Et voilà. Et vous voyez que la prise en main au clavier est quand même pas mal. Même si c'est toujours mieux de jouer avec un pad 360. Alias Xbox. Voilà. Mais Firefly, pour les intimes. Firefly déteste qu'on dise Xbox. Hein. Je suis un pro PS4. C'est ça. J'ai eu beaucoup de relations sexuelles avec ma PS3. Voilà, c'est quelque chose quand même. Ouais. Avec elle. Ça nous manquait vraiment, ces blagues. Et voilà, on va réussir à détruire ce truc. Ouais, c'est comme un bélier, vous voyez, non, c'est un bélier. Il faut avoir le magicien, mince. Non, je vais tirer une flèche, ça va faire bélier. Hop. Ah, non. Faut avoir le magicien et faire ça. Là. Boum. Ouais, vous voyez, c'est comme dans Total War, c'est un bélier qui défonce une porte. Et il existe aussi sur Wii U, ce jeu-là. Et sur PS4, Xbox One, sur toutes les consoles du moment, en fait. Et il est à combien environ, Oliver? Normalement, il est à 20€, mais on le retrouve... Enfin, moi, je l'ai retrouvé sur Steam à 3€. Les soldes de Steam. La magie des soldes. Et comme vous pouvez voir, voilà, c'est vraiment beautiful. En même temps, c'est la version PC. C'est la meilleure version avec la version PS4. Si on regarde un peu les effets des vitraux au fond, on est vraiment ébloui par cette beauté. C'est même un peu trop ébloui, je pense. Ouais. Ils en ont fait un peu trop, ouais. Ouais, en fait, c'est dégueulasse, ils en ont fait un peu trop. On va faire tomber le paquet cadeau, je pense que Et là, vous pouvez voir tout l'un... Secret festif. Beaucoup de l'intérêt du jeu. Voilà. En utilisant l'environnement, un peu comme dans Minecraft. Et avec le magicien, on peut créer des cubes. Voilà. Ouais. Référence à Minecraft, bien sûr. Regardez, maintenant... Mais non pousse, je suis... Je suis une elfe forte. Ah, c'est pas grave. Je suis une femme forte. On peut monter. Le problème, c'est que je conduis. Moi, Merde. Je dirige un papy, donc ça va être un peu chaud. Niveau plateforme. Bon, il saute quand même. Hein. Ah oui, hein. Faut pas trop le ménager. Merde. Je suis en train de perdre un peu de vie là. Bah, je suis mort. Bon, bah là, faut que t'appuies sur Y, je pense. Non, j'ai trouvé le guerrier des. Le guerrier nain. Ah c'est bon, elle est ressuscitée là, vu que à chaque fois qu'on va dans ces... D'accord, elle est encore morte. À chaque fois qu'on va dans ces... Ah, le problème c'est que je peux pas attaquer avec le magicien. Mais... Je suis un peu dans la merde. T'es une merde. Voilà. La guerrière.
Le guerrier. Ah oui, la guerrière. Et ce qu'on ramasse là, les fioles vertes et fioles bleues, bah fioles bleues, je sais plus ce que c'est, et fioles vertes, et bah ça permet de gagner des bonus d'expérience quand ils me mettent. Et quand on en a 50, on gagne un point de compétence pour pouvoir ensuite avoir une nouvelle compétence. Par exemple, le guerrier nain là, il peut transporter une hache, je crois, ou un marteau. Non, ouais. C'est un marteau. Donc au final, ça nous fait trois types de personnages très complémentaires. Oui, et on peut voir toutes les compétences dans ce menu. Voilà. Enfin, là c'est vide, mais plus tard ça va plus être vide. Pour les connaisseurs du Seigneur des Anneaux, on peut ajouter que le magicien ressemble beaucoup à Gandalf, Le Gris. Ouais. Qui est un personnage phare de la série, de la saga, excusez-moi. Mais il lui est arrivé un malheur dans le film. Oh. C'est esquive. Bon, allez, là, on vaut mieux se barrer parce qu'il n'y a plus le grand guerrier chevalier. Grand guerrier viril, plein de poils. C'est un guerrier nain, après tout. Ils disent pas que c'est un nain, mais moi je pense que c'est un nain. Si, si. Vu son nez, c'est un nain. Son nez de poivreau. Son nez viril. Et voilà, avec, on fait gaffe avec les plateformes. Et c'est le magicien qui s'y colle, Gandalf. Regardez, j'ai planté une flèche et elle reste bloquée dans la torche, c'est extrêmement réaliste. C'est la première fois que je vois ça. C'est la petite balançoire. D'habitude, les flèches restent bloquées. Et là, je sais pas comment dans... j'ai fait pour être là-dessus. C'était un petit bug sur un pixel. Waouh! Oh purée, j'y étais presque. Donc voilà, c'est que des énigmes comme ça avec la physique. Ouais. Ce qui est quand même assez bien foutu. Donc Oliver, vous conseillez bien sûr aux joueurs d'y jouer à deux, ou en multijoueur. Oui, mais à un, je déconseille, puisque c'est un jeu assez ennuyeux, quand on joue tout seul. Ouais. C'est un jeu plus sympathique à deux. Fireflav est même émerveillé par ce jeu. C'est vrai que je préfère ça à un Donkey Kong Country, où c'est un peu n'importe quoi, où il y a des trous partout. Ah, il se casse la gueule. Là, il y a moins de trous, et ça me plaît, quand il y a moins de trous. Ouais, quand c'est moins dur. Je préfère quand les trous sont comblés, vous voyez, Oliver. C'est pas un jeu pour les hardcore gamers, c'est sûr. Ouais. Mais c'est un jeu pour... les occasionnels gamers. Voilà. Et ceux qui aiment la beauté, et aussi, bien sûr... Le fun, les tout simplement. Le fun aussi. Les énigmes. Faut être assez patient. Et là, Papy Gandalf a un peu de mal... Gandalf. Il va peut-être user de magie noire pour... Ah, ou peut-être comme ça on peut direct... Ouais, presque. Attends, je vais te planter une flèche dans le cul. Si tu veux. Je pense pas que le Friendly Fire soit allumé. Mince. Peut-être que si je te plante une autre flèche, t'auras plus d'appui. Oh. C'est un peu con comme technique, mais ça peut marcher. Plus les faire balancer et monter de là. Non, je crois que c'est bon là. Oh, purée. Peut-être que l'F a plus d'agilité. Nous ne savons pas. Mais quand le joueur a pas beaucoup d'agilité. Ah mais non, mais je suis bête. On pouvait mettre le cube déjà. Ah oui, il est con. Il est con. Il a raison. Il est très con ce mec. Faut mettre un petit cube. Ça va nous aider déjà à monter sur ces plateformes magnifiques. Et ça, c'est quoi là? Ah, voilà, déjà il y a ça demi. Déjà, moi je fais Mimuse à côté, à gauche, avec la plateforme, tandis que l'elfe pète un câble. Je suis en train de faire un combo. Ça a pas l'air de marcher. Oh oui! Quelle technique! Au gosse de la vie. Bon, regardez la technique, la technique de ball. Bon bah je vais te faire popper là-haut parce que là. Attends, j'ai envie de réussir, Oliver. Je suis une femme indépendante. Je suis une femme libérée. Et tu vas voir ça tout de suite. Et non. Femme libérée. Bon bah je pense que tu peux me popper. Mince. Comment faire? Oh non, je vais mourir. Non, je suis pas crevé. Bon bah je crois que je lâche ça. C'est un gros bar. Bon, je vais le faire à ta place, Fireflav. Selon moi que
Tu n'es pas trop habitué au jeu de plateforme? Non, non, moi je suis plus jeu de stratégie où on réfléchit. On réfléchit aussi, ouais. Oui, mais on réfléchit dans l'action, Oliver. Oui. C'est encore plus dur, peut-être. Faut pas que ce soit trop dur pour Fireflow. Voilà. Voilà. C'est pas possible. Ouais. On galère déjà la première inning. Oui. Quelle technique. Oh yeah. Grand lever placement, on sait même pas où on est. Ah. C'est toi qui pars. Bah j'étais ici. Et on retrouve ce fameux guerrier qui est très fort au corps à corps. Ah, fallait mettre un coffre ici. Fallait le magicien. Ouais, le magicien pour les cubes. Non, je pense que je suis toute seule. Oui. Adios amigos. Comment c'est Fireflav. Comment une femme elfe pourra passer? Vous allez le savoir tout de suite, regardez. Dans le prochain épisode. Oh non, le bug. En fait, elle est pas passée. Le bug d'animation. Bon bah, dernier. Oh, le checkpoint. Et Oliver, c'est toujours comme ça, les niveaux sont tous un peu similaires? Non, ça change pas mal, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, les décors commencent un peu à être répétitifs, j'en ai. Ah ouais. Même si c'est toujours joli, mais voilà. Par rapport à un Mario, par exemple, tu fais une niveau de comparaison un peu niveau de place. Mais il y a plus de diversification de niveaux. Oui, il y a plus de diversifié, oui. Voilà. De toute façon, la plateforme, ça reste de la plateforme, quoi. Ça reste deux bouts de bois et un personnage, quoi. Ouais. Tu vas sauter sur les bouts de bois et puis voilà. Ça arrive non, à ça. Non, je bug. Attends, tu peux y aller. Je suis une femme libérée. Et je suis une femme. Une femme qui a ses règles. Et qui n'abandonne pas. Ok. Pourtant je n'y arrive pas. Attends, je vais t'aider en balançant encore plus. De plateforme. Allez. Oh non, it's impossible. Faut vraiment que tu sautes au dernier moment. Rien n'est impossible pour un gamer occasionnel, vous savez. Voilà, je laisse comme ça. Oui. Et voilà, je te rejoins, mon charmant magicien. Gandalf le gris. Et là, ça devient un peu plus... Je vais tirer peut-être une flèche. Je stresse. Ah non, c'est bon. Pour une fois, je vais peut-être être utile, mais c'est trop. Le stress peut aider, des fois. Oh, je suis mort. Ok. Fireflav est dead. Fireflav est encore dead. Et je suis dead définitivement. Ah, vous voyez, c'est vraiment des graphismes magnifiques. Et il y a vraiment des effets. Mais c'est quoi ça? Des effets pas mal, hein. Des bons effets. Des bons petits effets. Ouais. Qui ont été. Et on recommence encore. Et voilà la version Wii U. Peut-être qu'on va proposer un autre niveau à nos téléspectateurs, Oliver. Le problème, c'est qu'on est au début. Ah oui, t'as pas une autre partie où t'es plus avancé ou... On fera Train 2 dans la même vidéo. Ça sent totalement freestyle. Ouais, mais non, non. Parce que dans le titre, ça va être freestyle aussi. Voilà, Train 1 et 2. Découverte de Train 1 et 2 par deux amateurs. Qui n'arrivent pas à franchir le premier niveau. Allez. Ouais, je te pensais quand même mieux, Oliver. Je pensais que tu étais plus professionnel dans ton toucher de clavier. Bah, c'est dans les FPS que je suis professionnel. Bah, dans la plateforme aussi. Dans la plateforme, non, je joue toujours à la manette. Là, c'est parce que toi, tu as la chance de toucher la manette. Bon, allez, on y croit, chers téléspectateurs et téléspectatrices, peut-être aussi. C'est quoi cette blague? Gandalf n'arrive même pas à sauter sur une petite planche de bois. Regardez, je te la bloque et tu me rejoins. Rejoins-moi. Pourquoi je te rejoins? Parce qu'il faut être deux. Ils vont peut-être vivre ici après tout. Ils vont peut-être faire une petite histoire d'amour, des enfants. Bon, je prends la manette. Ok. C'est parti.
D'accord. Mais je pense qu'il est trop lourd, le nain. Ouais. J'ai pris une main sans faire exprès, en fait. C'est un gros tas. Je pense que oui, on fera une autre vidéo de Train 2 pour voir un peu l'évolution. Qu'on publiera. En tout cas, l'histoire a l'air d'être aussi naze. C'est vrai que niveau histoire, c'est un peu de la merde. Ouais. Mais bon, c'est des jeux surtout pour s'amuser. C'est pas pour me raconter un conte de fées. Oui, c'est pas un scénario incroyable. Hein. Ouais. Puis bon, pas de sortir des histoires à la Far Cry 4. Hein. C'est un peu pourri les histoires à la Far Cry 4. Oui, mais c'est un peu aussi un peu. Comment dire. Un peu plus vulgaire. Oui. Comme GTA. Regardez, je savais pas qu'on pouvait se protéger avec ce bouclier. Là. Et la version Wii U est en 1080p également, mais en seulement 30 images par seconde. La version PS4, j'en sais rien. Mais elle est plus belle. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Ah, il meurt du premier coup, c'est dur. Donc là, faut mettre déjà un petit cube, si j'y arrive. Ouais. Vraiment, t'es intelligent, hein. Je savais pas que. Ouais. Oh là là, les effets! Et voilà. Fireflav a ressuscité. Ah oui, il y a des points de. Comment ça s'appelle? Des points de résurrection. Oui. Ouais. C'est des points de contrôle. C'est pas mal. Il y a un truc là-haut. Et on s'en fiche, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Fireflav baille encore. On commence à avoir l'habitude. C'est complètement fou. Pourquoi tu l'as pas laissé ouvert quand je suis monté? Non, attends, j'essaye là. Voilà, voilà, voilà. Et il y a même pas de pic en bas et je me fais tuer. C'est pas normal. Bon, je prends le gros nain. Non. Alors, reviens. Qu'est-ce que tu fous? Bah, j'ai pris le gros nain. Ouais, mais. Oh yeah. Mais qu'est-ce que je suis là, moi? Qu'est-ce que passe-t-il? Les handicapés. Partie 1. La oh, le cube. La plateforme sur cube. Cube. Ouais, mais moi je suis trop lourd, je peux pas passer au-dessus. Vas-y, refais ton coup de la planche. Mais si tu peux. Oh yeah. Oh. Est-ce que je peux me protéger comme ça? Oh, l'esquive. Ouais. Oh là là. Oui, tu peux te protéger. Non. Ah ouais, merde, je me suis protégé. Non, de mes c'est côtés. Pas ça. Je veux pas combattre. C'est bon, je suis revenu à moi. Non, mais c'est moi qui a. Non, je me fais défoncer. Je suis téléporté. Et voilà. Bon, je pense qu'Oliver, on a fait un peu le tour parce que le niveau est très dur. Faut avancer. C'est bon, pas dur pourtant. On va réessayer une dernière fois. J'avais réussi tout seul, moi, celui-là. Mais c'est vrai que je préfère ça qu'un Rayman ou un Donkey Kong Super Country. Rayman ? C'est énorme, Rayman, comme jeu. Ou peut-être que j'aime bien le 1. on dirait pas trop quand on regarde le rétro-test. Allez, Fireflav. Puis on dirait Mario qui saute, là, avec une frame. Quelle animation. Ah oui, là, il y a des nos potes. Faut que tu les tues. Oui. Je suis un guerrier. Mais plus tard, par exemple, on pourra mettre une compétence sur le magicien qui peut porter les squelettes. Ah oui, on peut évoluer. Bah oui, j'ai déjà parlé des compétences. Ah oui, d'accord. C'était quand? Bah, quand on parlait de qu'est-ce que c'était les machins verts qu'on récupérait. Ouais. Et donc, en bas, il faut faire... un gros cube. Voilà. Merde, je l'ai fait un peu trop à droite en fait, donc on se fait un peu toucher, mais c'est pas grave. Et on se fait un peu tuer. Pour ma part en tout cas, pour ma part. Bon, je me refais à retuer là. Non, non, il est fou. Ah, on n'a jamais été aussi loin. C'est incroyable. Je pense que si Oliver était associé. Au niveau à... de la bande son aussi, c'est vraiment sympathique, même si nous on n'a pas de son là. Ouais. J'ai un peu joué aux deux, c'est vraiment pas mal. Après, au niveau scénario, c'est très oui, princesse, bah prince charmant, voilà, fée, c'est, ça. C'est le train en fait, c'est. C'est un conte de fées quoi. C'est une espèce de couronne là, qui nous fait téléporter dans un autre monde, une autre dimension, et c'est là qu'on va sauver le monde en gros. Et c'est les trois héros voilà, qu'on dirige,
qui sont à chaque fois téléportés par le train. Je pense que Train 3 ça change pas trop au niveau histoire. Et Olivier, aussi. Olivier. Exactement. Oliver, pardon. Mais qu'est-ce que le train? C'est le machin là qu'on a vu au début. Là. Enfin, vous l'avez pas vu, vous, chers téléspectateurs, mais avec Fireflame on avait joué un peu au début. Ah bon? Oui, c'est oui. Vrai. C'est vrai. J'étais encore sous l'emprise de l'alcool à ce moment-là. Je n'avais pas remarqué. Bon. Bien là, il faut que je prenne le magicien Gandalf, par exemple. Voilà. Et faire descendre ça, peut-être, ou monter ça, plutôt. Voilà, mais ça redescend. Je pense que on aura peut-être un bonus si j'arrive à mettre la flèche en, dans l'âne. Non. Non? Ah non. Oh. Donc alors, il faut descendre. Ah, je suis parti. Je peux essayer de peut-être prendre le nain. Voilà. Il est assez lourd le nain. Le nain il fait n'importe quoi. Non, il faut que tu descendes. Faut que je revienne là et que je te fasse ça. Oh, yeah. Allez le nain. Non. Des méchants pas beaux, occupe-toi des méchants. Pas de quartier. Ah, il y a encore un archer en haut. On pourra lui faire quelque chose de magique. En voyant, je vais créer la GameCube. Oh, ce n'est plus créable. Bon, je vais le faire à la bourre. Bah, moi, je peux rien faire moi avec les ennemis. Ou alors je prends un. Voilà, on... elle est full life en plus. Artistiquement, c'est pas mal. Hein. Ça fait mine sensuelle, d'accord. Ça, c'est très beau. Ça veut absolument rien dire. Vous voyez, magnifique effet avec l'eau. C'est... Moi, j'y vais direct. Oh là là, t'as vu, beau gosse. Beau gosse. Je te protège. Je suis encore ton des plateformes. Et après, tu disais, Fireflav, que tu n'allais pas trop jouer le guerrier vu que toi, tu réfléchis plus. C'était à l'époque, ça. Mais maintenant... À l'époque, c'était il y a 5 minutes. C'était avant. Maintenant, j'ai changé. Vas-y, tire-moi dessus. Oh. D'accord. Fail. Oui. Oh, dans la jambe. Dans la jambe, t'as eu mal. Dans la jambe dodue. T'as souffert. Voilà, la skill de Firefly. Firefly est prêt pour faire des speedruns. Firefly? Oui, je suis en train de basculer la planche de mon côté. La skill de rêve. C'est bon. Quelle technique, quel talent. Et maintenant on va pouvoir aller... Pourquoi il a fait ça? On va pouvoir aller à droite. Oh, je me fais... Regardez, je suis bourrin, moi. Je respecte rien dans le combat. C'était skill. Là, on forme une bonne équipe. Hein. Ouais. Quand il y a des ennemis, on faut forme plus que j'ai le magicien, en fait. Il y a une unité à distance et une unité à combat rapproché, en fait. Et une unité qui sert à rien. Le magicien? Non. Non. Il sert qu'à résoudre les énigmes, en fait. Ah oui. On va faire tourner ça. C'est le manège enchanté. D'accord. Il faut monter dessus. Si on va y arriver. On va y arriver, Fireflame. On va y arriver. Oh le vieux magicien. Il est du mal. Le papé. Regardez la technique. Oula, il équilibre. Oh yeah. Vous voyez que les animations sont vraiment pas mal, sauf quand on se retourne, c'est un peu une frame, mais bon, c'est pas grave. Moi j'aime bien le guerrier. Il est assez à mon âge. Il est très bourrin. Hein. Et pour les peu qui ont vu la vidéo découverte de Train 2, hein. Ça fait une vidéo découverte sur Train 2? Oui. Ah ouais. Sur Wii U. Ah oui. La Wii U. La console qui a le moins de ventes. Et donc pour toi c'est une bonne surprise ce jeu, j'imagine. Oui. Train 1, c'est un bon jeu, j'ai aussi le 2, voilà, sur PC aussi. C'était juste la démo hein, sur Wii U. Ah oui.
démo qui dure 30 minutes. Oh, regardez, c'est l'anneau du Seigneur des Anneaux, là. Dans la main. Oh, souffre le martyr. Voilà, on peut faire descendre ce truc. Voilà, pour avoir un petit bonus. Comme d'habitude, il y a toujours des petits bonus dans un jeu de plateforme. On peut prendre ça pour ouvrir le coffre. Prendre, je sais pas avec quoi. Ah ouais. Par la force du magicien. Prends mon chapeau. Et là, je ne sais pas ce qu'on doit faire. On va monter. Parce que nous, on adore être des casse-cou. Couilles. Aussi. Ouais. Et voilà. La beauté du paysage. Je pense que la vidéo va terminer la vidéo. C'était une bonne vidéo découverte où on a découvert un jeu de plateforme. Un jeu de plateforme magnifique. Magnifique, oui. Avec un gameplay plutôt bon. Affiné. Affiné. Comme un fromage. Il est affiné. Il est bien. L'OST est plutôt pas mal. Qu'est-ce que l'OST? Bah, la bande son. Voilà, la bande son. Merci. L'OST du jeu, c'est les musiques, quoi. D'accord. Les musiques. Voilà, c'est Fireflav le professionnel. Le grand qui a à présent un nouvel ordi pour Medieval 2. Oui, il fera plein de vidéos sur Medieval 2. Je ferai pas énormément de vidéos, mais quelques-unes. Et peut-être pas que sur Medieval 2, attention. Je vais peut-être. Il y aura plein de surprises. Je vais peut-être craquer un nouveau jeu. Mais ça, c'est confidentiel. Donc sur ce, on vous dit à la revoyure pour de nouvelles aventures avec Fireflav, alias Oliver Plasma, The Superstar.